J'espère que ça va vous plaire et que totalement hypé par ce jeu qui a l'air franchement intéressant. Et donc, let's go! Et j'ai remis mon t-shirt Doctor Who pour me donner la pêche. Et donc, on va jouer totalement dans le nouir. Voilà. J'espère en tout cas que le jeu peut être en à paramétrer avant. Là, et j'ai une. En mode Ah, il se met directement ça, trop cool. Et bah ça, je suis choquée déçue. Par contre, j'ai beaucoup de choses. Salut docteur! Et mon jeu est en était pas en fenêtré, il a bugué. C'est pas. Il a totalement bugué. Des mouches qui m'agressent. Génial. Alors, j'ai de faire en sorte de virer tous les programmes et après on va régler le problème avec Boogeyman. Et j'ose espérer que on va le faire. Voilà. C'est totalement sombre. Et là, comme ça. Two Girls Smooth Rotation. Non, c'est pas ça. Je vais faire une capture d'écran, c'est génial. Donc on ne peut pas le mettre. Alors ça c'est ma foi c'est totalement génial. Par le fait qu'on peut attaquer par une. Ouais non, en fait on peut pas le mettre en fenêtré. Et ça me casse les par contre. Attendez. Je me fais vraiment attaquer par une. Main menu. Ah, je vais essayer de faire en sorte de le mettre enfenêtré tout ça. Alors c'est quoi le jeu? C'est Boogeyman. Et là en fait j'essaye de le lancer en fenêtré. Ça va être ardu parce que il faut que je fasse comme ça. Avec mes touches. Oh. Et en plus, il se lance en fenêtré, alors je comprends pas trop. Allez! Damn. What the fuck? Je comprends pas pourquoi ça se fait pas. Alors on peut le mettre en VR apparemment, mais si je peux pas en fait si je peux pas avoir accès au chat, ça va pas le faire. Alors est-ce que c'est gratuit? Ah ouais, mais je pourrais pas accéder. Je connais, j'ai même joué à la fin, et ben je dis pas, amuse-toi bien. Merci, j'avais vu, t'inquiète pas. Fais gaffe, le Boogeyman. T'as mal écrit par contre, docteur. Essaye de faire attention à l'orthographe. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui serait à même et honoré, lol, de lire le chat pour me retranscrire. Parce que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu et fascinant. C'est très chiant. C'est très chiant en fait d'avoir de pas avoir de double écran. Et en plus j'ai des mouches qui pètent dans
La graisse et tout. Ah, téléphone POA. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai pas beaucoup d'internet en fait. Ouais, mais en fait, le peu de fautes que tu fais, c'est des fautes que tu dois pas faire. Donc, je pense pas le streamer 1h30 plus. Mais ouais, si t'es dispo et que Natsu, là, je veux pas me mouiller. Écran. Merci, mon homme. Bah, du coup, je suis dans le canal stream. Au pire des quais, tu vas dessus. Voilà. D'avoir la peur de notre vie. Est-ce que. Ah ouais, je sais même pas. Ah voilà. Ah! Ok. Prochain menu. Alors ils disent que dans le menu. Oh, ça me saoule déjà quoi. Ok, flashlight. Cherry bomb, glow stick, coffee. Ok, là je vais devoir jouer avec ça. Donc, je suis désolée, j'ai pas le. Ah, puis en plus en fait il est en fenêtré mais pas vraiment alors c'est vraiment pas comment. Action button. Okay. Putain de merde! Bon, sérieusement, il n'y a pas quelqu'un pour me lire le chat? Simon, je t'en supplie. À tout de suite. Ah putain! Je m'attendais trop pas! En fait, ça m'a surpris, ça m'a même pas, je fais ah! Du coup, Simon, où es-tu? Voilà. Putain, j'ai décidé à dire un. Non, mais je sais que c'est un jeu à screamer, hein. Tu me prends pour une débutante ou quoi? C'est pas le premier jeu du genre qui me fait ce genre de conneries. Putain, j'ai trop trop envie de retourner là-bas. Ah, re, putain, et j'étais sur. Je me suis fait putain de surprendre par un putain de requin dégueulasse. Déjà? Ouais. Putain. Je m'attendais pas dès le début à avoir un truc, moi. Et docteur qui est mort de rire. Il y a un truc qui vient d'arriver. Putain, et j'ai pas envie d'ouvrir. Genre, genre vraiment pas en fait. Donc t'en étais où du chat? Ah, putain, mais vas-y ta mère, mais comment je fais? Comment je fais? J'ai lu les derniers. Mais comment je fais? Sérieusement? Putain, comment je fais? T'en es où du chat? J'ai lu jusqu'à ce qu'ils me disent Wiki qu'ils voulaient me dire pour les screamers mais machin et je lui dis que les screamers c'est la Alors, base du jeu hein. Mais putain je fais comment? t'as Natsu qui dit bonjour. Bonjour Natsu. Bonjour. Putain, je te jure. Alors, alors comment va la PLS? C'est Mais bon? hé, je me suis fait surprendre deux fois avec ce putain de requin. Mais Alors, je vais faire quelques blagues ouais. le prologue. Alors, en fait, tu as deux manières d'ouvrir les portes. Soit tu les ouvres lentement, ou alors tu les ouvres directement. Ok. Ne jamais ouvrir directement Mais les j'ai. portes parce que. Putain, c'est hyper sensible, je pense. Parce Parce que, que. en fait, ce qu'ils essayent de t'expliquer avec ça, c'est que, en gros,
si tu ouvres trop précipitamment une porte, alors là, ils t'ont donné l'exemple d'un petit requin en peluche, mais ça pourrait être le boogeyman. Donc en gros, tu dois entrouvrir une porte pour voir si tu as des ombres. Si tu n'en as pas, bah, à ce moment-là, tu peux l'ouvrir entièrement. Mais si jamais tu vois qu'il y a une ombre, tout de suite tu la refermes. Et après, tu peux pas la refermer en fait. Trop de soir, je suis encore crevé. Ah putain, il m'attend en fait. J'ai vu sa petite patoune qui me dit viens, tu l'ouvres, viens. Sauf que en fait. Donne-moi ta tentacule. Donne-moi ta tentacule, Cthulhu. Vous voyez ce petit requin qui est là? Oh, c'est un petit panda tout cute! Est-ce que je m'avance? Est-ce que à je me voir. Je non, je En plus, tu vois, je me suis mis vraiment dans l'ambiance, totalement dans le noir et tout. Et ça se voit, c'est beau. Ouais. C'est sexy dans le noir. Ah là là. Mais là, j'ai juste envie de faire l'amour à tes tentacules. Ah, vas-y. Passons-là. Ah, oui. Non, je sais pas, j'ai trop peur d'avancer. J'ai peur à un destin tragique. Un destin tragique. Mourir à cause d'un... panda. Ah, c'est bon. C'est un petit panda. C'est bon. Je tente d'être ton ami. Par contre, Thomas Room, il va encore se passer quelque chose, hein, forcément. Hein. Aïe hein. Non. Non. Il fait noir. J'ai pas de glow stick. Vas-y, il fait tout noir. On se croirait chez Mamadou. J'ai même pas ouvert la porte. Ça s'est ouvert toute seule. Bon, vous êtes sûr, je rush. Vas-y. Non. C'est juste génial. Alors, c'est écrit quoi? C'est moi qui écris en fait sur les. Je crois que j'ai entendu un badaboum. Maman. Salut Ketrax. Et vous? Salut Cthulhu, salut Simon. Salut Ketrax. Ah, quand je joue à des jeux comme ça, il y a du monde, hein. Et puis putain. Je sais pas, t'as envoyé un message. Et moi, je viens de voir. Donc, alors, c'est parti. Bon, en fait, il s'est mis en fenêtré, mais pas fenêtré. Et du coup, bah, des fois, il y a la souris qui sort et qui dit Motherfucker, I. Alors, the battery meter and the blah 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 you have are the cell, d'accord, ok. Pas envie. Ouais, je suis pas vu the. J'ai pas envie d'avancer, mais je vais avancer. Ah putain, j'ai pas envie d'avancer. Cthulhu est jeu d'horreur. C'est beau. Non, c'est pas. C'est, alors, c'est un, c'est, pour moi, c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu de screamer. Voilà. C'est émo. C'est. Oui. Si vraiment, alors on peut dire horreur. Ah mais c'est hyper noir. Il y a la peur de l'horreur et il y a la peur de surprendre. C'est ça. Et alors, en fait, j'ai pas envie d'être surprise. Encore une fois, ça m'énerve. Alors, il faut savoir distinguer deux choses. Il y a un moment, il y a de l'horreur et il y a un moment, c'est de l'épouvante. Donc à base de screamer. Ouais. Donc. On va faire une vidéo comme ça sur YouTube où on expliquera le degré de voilà. Putain, mais il fait hyper noir. Et genre, quand je m'avance, il y a une espèce de brume blanche qui me dit Oh, into the darkness. Allez. Non, mais pas, il y a Batman derrière. Lol. Ah, il y a Batman. Attends, j'arrive. Ah, the Batman. Non, j'ai trop pas envie d'aller dans la chambre. Il fait hyper noir. Pourquoi tu m'as offert ce jeu? Parce que je voulais te voir en PLS. En PLS de début. Ah, les Cthulhu. Putain, vas-y, j'ai entendu la porte. J'ai entendu la porte. Non. J'ai pas envie. Magnifique. Bon, je vais. Rappelle-moi de te rappeler de te ré... d'horreur. Et d'autres trucs. Tu devrais lui faire plus confiance parce qu'il te dit qu'il a bien fait cette étape et qu'il faut que t'avances. Je pense que je vais mettre donc un jeu de survie, un jeu d'horreur. I am in my bed! And. Surtout pas lui offrir Resident Evil 7. Hein.
LOL, MDR. Ah ah. Non, mais j'ai un minimum. Non, mais c'est même pas une histoire d'essai, c'est que j'ai un minimum de respect pour elle. Voilà. Ah, je sais pas comment. Il y a une lampe torche en bas. Eh ben, allez, il faut prendre la lampe torche. Ouais, mais non. Je reste dans mon lit, à côté de la lumière. J'ai qu'une chose à dire, fais attention au plafond. Et pas que. Casse-les. Il y a également la fenêtre, il y a tout. En dessous du lit, il y a la porte, il y a derrière le placard. Mais pour l'instant, elle regarde pas trop le plafond, donc c'est pour être drôle. Ouais. Surtout qu'après, elle va devoir faire de la visite de nuit aussi. Oh putain, non mais je vous déteste. Vous déteste ou vous faites exprès? Vous faites exprès. Il m'embête! Ah là, j'ai mis 1200 par 800 parce que ça va me casser les couilles là. Voilà. Nous aussi on t'aime. Hein. Avoue que Toulouse a pensé à t'échapper par la fenêtre. Oui! Oui. Putain, il y a une porte toute dégueulasse. Non mais sérieusement, il y a une lampe par terre et je peux pas la prendre. T'as pas le droit. Ah putain! Dès que je vais vers la porte entrouverte, eh ben elle s'allume! Enfin, elle s'allume, enfin, vous me comprenez. La porte s'allume! La porte s'allume! Regardez! Oh mon dieu, c'est une porte lumineuse! Regardez! On croirait. Mais putain, mais sérieux, c'est quoi cette porte? Le docteur qui te dit la première nuit ça peut pas arriver, le boogeyman peut pas être là, il faut que t'ailles trouver la lampe et la prendre et il essaye de te motiver. Ouais, qui ça? Qui? Le boogeyman. Docteur. Ah, docteur. Ah oui, celui qui... C'est de... ouais, celui qui est pas en vocal en fait. Alors, il y a un truc qu'il faut que je vérifie moi aussi, je vais lancer boogeyman. Et il dit qu'il a de l'expérience, il dit qu'il a fini le jeu. Hein. LOL, il a de l'expérience. If you're listening to this, I sure hope you're not planning on sleeping in this room. I'm Alicia, and if you unfortunately only stumbled across this tape during the dark, salut Alicia. It's probably watching you right now. Mais I left the flashlight under the bed if you've not already found it. It's the only thing they're scared of. Tu veux regarder que tout en PLS? I've tried telling you. Tu veux regarder que tout en PLS? The bogeyman. C'est Snow, on veut te voir en PLS. Non, mais vous êtes horrible. Moi, je lance une idée comme ça, mais en fait, ce qui pourrait être cool, c'est tous les moments où elle fait une crise cardiaque dans cette... Ah non, mais le pire, c'est qu'il y a les clips hein, qui sont là maintenant. Ouais. Et du coup, bon, ta gueule, Alicia, laisse-moi jouer, là. Vas-y, elle raconte sa vie et tout. Ouais, hier, j'ai joué un petit poney avec Sandra, c'était trop bien. Et après, ben voilà, c'est bon, elle a fini son speech. Alors, il y a docteur qui te file un conseil. Les doigts du boogeyman vont arriver quand tu les vois éclairer sa mère. D'accord, ok. Merci, docteur. Et continue. Le boogeyman arrive en mettant ses doigts pour te dire qu'il arrive. Et quand tu les vois, tu éclaires vite. Ouais, bah en fait, j'ai plus de... Je peux pas bouger, en fait. Pas du tout. Yeah. C'est un flashlight. Everyone knows the bogeyman is scared of light. So if you ever get scared, just shine your flashlight, okay? Oui, mais j'ai plus de lampe, j'ai plus de pile. Just make sure not to fall asleep with it on. Mais genre au moins dans le petit truc. Genre je suis en mode. Ça va aller. Non. De flashlight. Je peux pas l'avoir en fait. Oh putain. Ah, mais je peux rien avoir. T'as peut-être utilisé trop talent. Ouais, je pense. Parce que ça, c'est comme dans tous les jeux d'horreur, c'est t'as un tout petit temps sur talent par rapport au tout le temps. Mais oui, mais je me suis dit c'est le début et puis bah du coup je vais crever. Hein. En plus je peux pas bouger forcément. Hein. Et l'autre il est mort de rire, connard. La mort nulle. La mort totalement nulle, j'ai pas envie de... En fait, j'ai pas envie de me retourner. Enfin, je me suis retournée, j'ai fait en mode YOLO et j'ai pas regardé le plafond, parce que le plafond, forcément, hein, c'est le truc qu'il faut pas regarder dans les films d'horreur, tout le monde le sait. Par contre, ta caméra, elle est vraiment noire. Je sais que ma caméra... Elle... Putain de merde! Non, je peux pas! Je peux pas!
Je meurs. Ah putain. Il est rentré dans la chambre. Oh. Il est là. Non, non, arrête. He's Mais non, mais non, mais je peux pas bouger en fait. Je peux pas bouger du lit. Et j'ai... Oh, putain, il y a le panda à côté, il m'a fait flipper. Mais je peux allumer Dis pas, j'ouvre la porte. la lumière. Non, mais en fait, j'aimerais bien mettre une clé pour que vous puissiez mieux me voir. Et il n'y a pas de pause sur ce... Il n'y a pas de pause. Eh bien non. Bah Pierre, de toute façon tu vas mourir donc Oh, le mec, alors le mec il est gentil quoi, il te rappelle les bails hein. Ah, il me dit, ah, mais de toute façon, t'es mauvais. Non, mais je peux Mais non, pas. j'ai Enfin, pas dit en fait, je peux mauvais. juste faire le tour de moi-même, regarder en haut et en bas. Et en fait, là, vu qu'il a ouvert la porte, j'ai pas envie de regarder en haut. Et en fait, c'est toi la pire escrimeuse, dès que tu mets Oh, ton putain, il y mouchoir a en des fait. yeux là-bas. Ah, non, je peux rien. Je peux rien. T'as tes règles! Ah! Ah, c'est magnifique. En rouge et noir! Bon, juste, j'aimerais bien pouvoir mettre une réelle pause. Il n'y a pas de pause sur ce jeu. Rouge et noir! Bah quand tu mets le menu. If you're listening to this, I sure Oh! hope you're not Oh planning on sleeping in this putain, room. le singe, comment il I'm est trop Alicia, and if flippant, you've sa unfortunately race! only stumbled across this tape during the dark, it's probably watching you right now. I left a Ici, elle flashlight dit under the bed pile. if you've not already found it. Boulette. It's the only thing they're scared of. I've tried telling people, but the bogeyman, even my sister, Oui, mais je no peux one pas will believe bouger, me. je vous They ai won't dit. believe you Je peux pas either. bouger. À part faire le tour. You'll need to learn to Hein? fight this Là, by c'est peut-être le yourself. but. There are some spare Ouais, je batteries pense hidden surtout under que the c'est pour floorboards under the bed. m'apprendre. lol. They're kind of Apprendre à une mixed up, gameuse à jouer. Harry. Bon, non. If C'est you bon, vous allez me too long, chambrer, vous allez dire. Docteur, Ouais, mais de toute façon, t'as you'll utilisé learn toutes tes piles dès fight le again début. Docteur dit qu'il Eventually, faut que tu les trouves I déjà. hope. Non, mais ouais, c'est pas étonnant. Il y en a une à côté là, je crois que c'est une pile ça. Bon. Boogie. Ouais, c'est le truc fluo à droite qui doit être dans l'armoire, je crois. Dans l'étagère plutôt. Ouais, bah oui, mais je peux pas le prendre en fait. Je peux pas bouger. Et genre, elle a des étoiles partout dans sa chambre et ça s'illumine pas, hein? Moi, je dis que. Ouais, c'est Ah, mauvais pas ils ont ça. pas payé la facture d'électricité, ça va, hein. Ouais, oh! Here, what's this? It's a flashlight, stupid. Quoi, Everyone alors, knows the dis-moi. bogeyman is scared of light. So if you ever get scared, just shine your flashlight, okay? Thank Oui! you, Elle. I'll sleep much better now. Oh Just make sure putain, il y a not un to fall truc qui a asleep with it roulé on. par terre. Otherwise, the battery will Docteur run qui dit, out. je crois qu'il faut appuyer sur espace et sous ton lit, t'as des piles. Mais Oh c'est quoi? non, je veux pas appuyer sur espace, je veux pas aller sous le lit. Non, il n'y a pas Je espace. préfère mourir plutôt que devoir bouger. Préfère mourir! Laissez-moi tranquille! Non, sérieusement, je peux appuyer sur rien en fait. À part mes touches. À part faire le tout. Il y a des... Non, mais l'ambiance de jeu par contre est juste géniale. J'aime beaucoup, ça me rappelle Penumbra et tout ça. Les bruits sont très bien gérés. J'ai pas envie de regarder à côté. Bon, je sais qu'il va arriver à ma porte d'entrée sans toquer et tout parce que c'est un monstre dissident qui n'a jamais appris à dire bonjour, n'est-ce pas? Alors, docteur qui te demande si tu veux les piles, ensuite il dit puis il fallait regarder les commandes au départ, après je peux pas tout faire. Écoute, j'ai regardé les commandes au début et je peux te dire qu'il y avait juste ces touches-là. Donc, fallait regarder. Ben, merde. Voilà. Bah, au pire, tu mets ta tête dans ton oreille, Là-dessous. retourne et tu regardes le bas. Oui. T'es en train de. Pourquoi t'étais sur le jeu Boogeyman d'ailleurs? Alors, je suis sur Pokémon 2. Ah, t'es sur le 2? Ouais, parce que j'ai le 1 et le 2. Ah. Et... Sans cas. Pourquoi? Et... Pourquoi y a... enfin, ça avance doucement?
En fait, j'ai fait. Toulou, il est quelle heure dans le jeu? Dans le jeu, il est 3h43. 45. 46. 47. Pourquoi ça avance aussi vite? Docteur qui dit, et quand il ouvre la porte, le bogeyman, tu l'éclaires. Oui, bah oui. Il n'a pas utilisé toutes tes piles. Ouais, ouais, bah bien sûr. Bien évidemment. Oh putain. Oh putain, ça y est, ça y est, ça y est. Il y a la lumière qui ferme. Kiki Kiki Kiki. Bon. Il te rappelle que ça finit à 6h. Kiki. Quoi? En fait, c'est quelqu'un qui est en train de faire une crise d'épilepsie. Ah. Laissez-moi tranquille. Il est rentré, alors il est rentré par le placard. Il est en mode escalade. Arrêtez, j'entends rien. Mais par contre, la porte restera ouverte et il arrivera plus vite. Rip. Non. La trappe derrière moi, elle est ouverte. Oh oh, Bouletto. Ah, non. C'est tellement bon. Ah, c'est horrible. C'est tellement... Ok, il y a des orbes. Oh, j'entends quelque chose. Je crois qu'il est en dessous le lit. Il a rampé. Connard! T'es mort? Ah, c'est bon. C'est 5h22. Je vais bientôt. Il a quand même une sale tête. Hein. 5h40. C'est un détail. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je suis en train de me. Et dessus. Bientôt 6h du matin. Et docteur qui te dit ah non, c'est dans les autres. Ah putain, l'enculé de ta race. Et il dit qu'il s'est trompé. Ah, c'est près du but, putain. On a perdu que Toulouse. Mais non, là, c'est la déception. Ah, par la fenêtre. Mais oui. Ça va aller que Toulouse, hein. Putain. Dans le chat, il dit donc, bah, il voulait t'encourager pour les 20 dernières secondes. Une minute égale une seconde. Miss kid. Ah non, mais là, là j'ai juste pas de bol. Il a fait le grand saut. Hein. Rip. Mais c'est pour ça, c'est tu dois essayer de check le maximum de choses le plus vite possible pour que jamais il ait d'opportunité. Oh putain. J'ai pas de. Tu l'aimes bien la maison? Non, mais. Tellement pas. Oh putain, il est derrière moi. Ça. Là, j'ai plus. Putain, non, vas-y, c'est moi qui toque. Par contre, t'es vraiment petite. Hein. Oh putain, non, non, non. Non, j'ai plus de piles, non. Bon, bah, je vais l'attendre. Hein. Allez, Boogeyman, viens faire un câlin. Alors, docteur, tu sais, il peut arriver de devant, en haut à droite et à gauche. Voilà, bonne chance, y'a rien derrière toi, MDR. Non, mais là, c'est mort, j'ai plus de piles. Alors, ne sois pas si défaitiste. C'est pas parce que t'as pas de piles que tu peux pas faire peur. Balance-lui tes piles à la gueule, je suis sûr que ça va faire quelque chose. Surtout que tes piles sont fluo, alors ça devrait aller. Voilà. Putain, non, il fait noir comme dans un cul. Ah, Toulouse explore des fesses. Ouais, j'étais en train de me poser la même question. Mais non, mais j'aurais bien voulu avoir quelqu'un à côté de moi pour m'accompagner. Je vous jure, je vais quand trop il est derrière toi, tu entends. Oui, bah j'ai entendu des respirations en fait. Mais genre. Non, là il fait trop sombre. Eh, je vais pas aller dans une pièce où il fait super sombre. Ma foi, est-ce que t'as vraiment le choix? Non.
J'ai plus rien. J'ai plus de pile. Enfin, en PLS. Ah, j'ai pas envie de jouer à ce jeu. La PLS. La respiration, c'est rien. D'accord, ouais, je... Là, genre, je suis pas préparé. Hein. Non, je connais pas du tout le jeu. Je... En fait, c'est toi qui respire. Oui. Ah, c'est bon. Déjà bien pour rester en vie. Et donc là, nous avons droit à une magnifique vidéo d'une petite fille qui squatte le hall d'entrée et qui s'amuse à rallumer la lumière parce que ça se coupe tout seul. Seems legit. Ah, je peux pas refermer les portes. T'inquiète pas, si tu vas dans le noir, c'est Batman qui t'accueillera. Non, mais là, il fait hyper sombre. C'est vrai que la pièce en face du hall, genre, c'est plus une ombre cachée sur les murs, c'est carrément de la peinture noire. J'avoue. T'as récupéré quoi? Des trucs. C'est là. Une lampe. Lampe. Quoi? Tu avais un truc rose bizarre sur la table? Ouais. Il y avait un sabre laser dans le noir. Bon, bah au moins t'es sûr que quand tu dois rester chez toi tout seul, tu vas planquer des piles partout dans ta baraque. Quel aérien. Ah, je m'attarde pas, hein, honnêtement. Pourtant, tu seras à un moment, je te le dis, tu seras obligé. Hein. Oh putain, sérieux. Au plus t'avances dans le jeu, au plus c'est difficile, au plus tu vas. Mais c'est horrible. Pourquoi tu m'as offert ce putain de jeu? Parce que j'ai bah, ouais, fait plaisir aux viewers. Connard. Moi aussi, je t'aime. Ah, ah, vas-y, c'est la putain de lunette des chiottes qui est tombée. Agressé par des chiottes. Ah, j'aurais dû mettre ça comme titre, ça aurait pu être rigolo. Bah le pire c'est que t'évoques des toilettes hein, dans ton titre. On a perdu tout l'eau. On va perdre nos oreilles nous. Le pire c'est qu'il entend. Vas-y, j'arrête ce jeu. Mais tu le vois. Ah, comment t'es tout petit. Non mais franchement les gars, j'avoue... Oh putain, c'est horrible. J'avoue que c'était putain de goldé. Hein. Alors, il te dit adieu MDR, c'était juste la lunette des chiottes, j'avais dit adieu mais... Oh, faudrait m'écouter un peu. Ah, non mais j'écoute que moi en fait. Ah putain, et en fait je viens de me rendre compte que je... Enfin, j'ai pleuré de rire, vraiment, parce que, genre, je m'attendais trop qu'il soit sur le plafond. Tu sais, il était en mode, attendez, je vais vous montrer quand même, en mode, hey guys, comment ça va? C'est en mode, Et en fait, elle s'est juste chiée dessus. Ouais, je me suis totalement chiée dessus. Non, je vais changer de jeu, ça sera plus intéressant si je le joue avec mon homme, pour être bien. Oui. Non. Non. Il y a personne qui vient. Ce qui est cool avec le stream, c'est que tu l'entends une fois gueuler, puis ensuite tu peux remettre le son du stream pour qu'elle regarde une deuxième fois. Ah non, mais c'est une catastrophe. Mais genre. Docteur qui dit qu'on est mal barré. Ah bah on est mal barré. Ah non, mais c'est pour ça que j'arrête de jouer dessus parce que. Je crois que si je continue, je vais tellement pleurer de rire à cause du fait que je me suis fait surprendre, etc. Que bah, ça va faire couler tout mon liner. J'ai bien commencé. Non, mais c'est chiant. Attendez. Non, mais c'est...
façon, j'ai un autre jeu. J'ai mis hier. Bon. Non, non, mais Cthulhu, je te rassure, on s'en fout de l'autre jeu. Qu'on veut, c'est celui-là. Vous êtes des salauds! T'inquiète pas! Vous êtes des connards! Il t'offrira du maquillage waterproof. Ouais, non, j'en ai du maquillage waterproof. C'est pas ça le problème. C'est juste que j'ai ma fille d'un qui dort et ça me ferait chier de la réveiller, quoi. Avec mes cris. Le pire des screamers, c'est que Cthulhu quand elle hurle. C'est trop ça! C'est trop ça! C'est. Ah, je sais que c'est relou, mais le pire, ça a été le dernier screamer, là, parce que... Oh, mais le pire, c'est ça. T'es en mode... Attends, je vais essayer. Ah. Non, on va éviter de faire des trucs bizarres dans ma chaise et que ça le pète. Mais genre, il était en mode posé, quoi. Mais le mec... Putain. Là-dessous.